C'est beau, hein, Passepartout. Passepartout adore le feu. Quand il avait 5 ans, d'ailleurs, il jouait avec des allumettes. Quand il avait 10 ans, il faisait des grands feux de bois, oui, grands, grands feux de bois dans la cour du fort. Et quand il avait 15 ans, il s'est pris pour Jeanne d'Arc. C'est pour ça que Passepartout, il adore mettre les candidats sur le grill. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il a un avenir flamboyant. Ce n'est pas tout à fait certain pour l'équipe qui va venir nous rendre visite aujourd'hui. Passepartout. Ouais. Vous jouez là. On s'amuse, ils adorent le feu. Bonsoir. Bonsoir. Ce sont les gladiateurs. Alors pour eux, le fort, c'est une histoire de famille. Attention, ça va aller très très vite. Claire est la femme de Jean-Paul, Jean-Paul le frère d'Anne, Anne la femme de Laurent, Frédéric la cousine de Laurent et Olivier le cousin de tout le monde. Vous avez tout suivi? Ouais. Bon, je vous ferai réciter à la fin de l'émission. Ouais. Bon, en détail, Laurent, l'homme fort, capitaine. Bonsoir. C'est un garçon entier qui ne laisse jamais le hasard décider les choses pour lui. Anne, réservée, gourmande et passionnée, compagne de route de Laurent, elle fera un bout de chemin ce soir avec le père Foura et tout de suite avec Passe-Temps. Allez. Olivier. Qu'est-ce qui vous arrive? On a envie de rire, c'est tout. Quand même. Olivier, à l'image de l'arbre du même nom, représente la paix et l'humilité. C'est la définition qu'il donne de lui-même. Et fait suffisamment rare pour le signaler, un de ses passe-temps favoris est la cuisine. C'est un bon cuisinier. Je sais pas. Alors, une petite devinette de Fort Boyard pour vous. Hein, chacun son tour. Si vous regardez ces deux jeunes femmes, à votre avis, laquelle des deux pratique la musculation depuis plus de 10 ans? Celle qui est en noir. Bien vu, très bien. Vous avez gagné ma considération. Enfin, bon, après, comme vous l'aviez déjà, je ne perds pas grand-chose. Merci, mon petit. Jean-Paul trouve que le temps passe trop vite. Alors, si tu veux que le temps soit un petit peu plus long ce soir, il suffit... Tu sois prisonnier dans les cellules, je t'assure que le temps passe très vite, très très lentement dans ces cas-là. Enfin Claire, Claire, elle rêve de faire le tour du monde en avion avec vous. C'est vrai? Oui. Ça vous dit? Je déteste l'avion. Vous détestez l'avion? J'aime bien Claire. J'aime bien Claire. Alors, à mon avis, c'est fichu. On peut changer de moyen de transport. Ah, hein, bah, ça sera plus long. Et le plongeur, eh bien, c'est Olivier. On y va? Par là. Oui, vous descendez. Hop. Bien. Alors, comment ça va d'abord? Vous semblez un peu contracté. Non. Ah, si, si, vous particulièrement. Ça va aller, ça va aller? Là, c'est la première. Bon, c'est la première. Vous avez à dire quelque chose à Passepartout, non? Non, pour l'instant, non. Je vous souhaite bonne chance. Toujours. Merci. Dites-leur bonne chance, Passepartout. Bonne chance. Bien, voilà. Bonne chance. Oui. 62 minutes, toujours décidé par Monsieur Sulmo. Question à poser sur le règlement, vous connaissez tous le programme, le jeu, merveilleusement bien. Oui, je pense. Quelles sont les cellules que vous préférez? Toutes. Toutes, vous aimez toi, elle ne se mouille pas, elle. Ça va bien? Ça va. Décontractez-vous surtout, hein, sans oui. Parce que ça. Là... On va d'abord aller en vigie retrouver le père Foura et votre. C'est votre femme? Oui. Faites gaffe au père Foura, il a les mains qui se baladent, c'est terrible. J'ai confiance. Bon, j'espère que l'esprit de votre femme est baladeur. On va la retrouver. Passepartout, qui est particulièrement facétieux ce soir, comme vous avez pu le noter, je ne sais pas ce qu'il y prend, me dit la chose suivante. Si vous voulez, je vous donne une indication sur ce qui se passe derrière cette porte.
Séduisez-moi. Patrick, une indication, s'il vous plaît. Comment vous m'avez appelé? Patrice, une indication. Ah bon, parce que j'ai cru que entendu Patrick. Bon, ben, je vous en dirai pas plus, ça pas suffit. Il faut un homme. Un homme. Olivier. Je ne dirai pas plus. Olivier. Avant d'entrer dans cette cellule, je vais vous parler un peu familièrement. Avez-vous les boules? Non. Eh ben, ça tombe mal. Allez-y. Allez, Olivier. Allez, Olivier, hein. Sur le côté. Allez, voilà. Faut qu'il utilise au maximum les bandes. Ouais. Pour faire revenir comme le socle. Comme au billard, hein. Il joue au billard? Oui, il joue au billard. Ah, bah, ça devrait aller quand même. Ouais, c'est bon. Bien, d'ailleurs. Continue. Voilà, le long, là, avec la bande. Voilà, c'est ça. Un tiers du temps, Olivier. Un tiers, le temps, c'est bon, hein. Continue. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il arrive absolument à le dégager du sol. Dégage-la de là. Ah, pas moi. Par là, à gauche. Ouais, ouais. Ah, c'est pas évident. Ouais. Sur la bande, là. Ouais, tiens comme ça. Tiens. Ah, là. Bon, la moitié du temps, Olivier, la moitié. Thomas, t'as le temps, lui. Voilà, ouais, c'est ça. Ah, là, c'est là. Ça. C'est pas loin. Encore, même chose. Même chose, hein. Voilà. Ah. C'est pas grave. Oui. Voilà. Bien joué. Allez, le même. Et elle redescend. Oh là là. Non, on fait pareil. Oui. C'est pareil. Essaye le rebond, là, comme t'avais fait, dans le coin. Essaye le rebond. Allez, vas-y. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vas-y, c'est bon, lui. Allez, encore. Oh là là. C'est pas grave. Continue, le temps c'est bon, t'inquiète pas. Il te reste un tiers du temps à peu près, hein. C'est bon. T'énerve pas. Je m'énerve pas là, c'est bon. Ça va ronfler, hein. Ouais, continue. Allez, tu le fais descendre. C'est bon, le temps c'est bon. Il reste un tiers du temps. C'est bon, tu vas l'avoir là. Continue, même chose. Vas-y. Ah, elle tombe pas comme je veux là. C'est pas grave. Ouais, tu l'as, t'as le temps, vite quand même. Allez, fais vite. Vite. T'y es, c'est bon. Ouais. Oh, je t'embrasse. C'est bien, la première, c'est bon. Allez, première clé, vous l'avez. Il paraît que t'es un grand joueur de billard. Oui, un peu, enfin. Ça s'est senti quand même. Hein, et ah, puis avec un petit peu de chance en plus. C'est bien. 65 minutes, vous avez déjà votre première clé, c'est un bon début. Vous continuez comme ça? Oui. Ça va. Allez, tout de suite. Remarquable début, n'est-ce pas? Les petits. N'est-ce pas? Bravo. Qu'est-ce qu'il y a, Passepartout? Assieds-toi. Voilà, ça me tient chaud. Bien, il faut un homme ou une femme. Généralement dans la cellule, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Généralement dans la cellule, quoi? Oh, il veut être plus grand que moi, bon. Dans la cellule que vous allez faire maintenant, on entre la tête haute et on risque d'en sortir la tête basse. Jean-Paul. Et j'y vais. C'est déjà ce que c'est, il s'agit de quoi? C'est le plafond qui descend. Bravo! Allez! Je vais tout le temps dans ma cellule. Attention. Allez. Vous me dites, Capsidre. Vous me le dites. Capsidre, allez. C'est bon. Une, c'est bon, allez, continue. Attention,
Le temps, c'est bon, toujours. Te fais pas coincer. Attention, oui. Attention à la porte. Attention à la porte, hein. Ouais, regarde la porte, mais le temps, ça va. Eh, j'en ai deux. Ouais, allez. Ouais. Allez, allez, allez. Allez, la dernière. Allez. Oui. Le temps, ça va. Regarde la porte, pour toi. Regarde la porte, sinon. Allez, Jean-Paul. Et où la porte? La porte, elle est derrière. La même. Tu y es? Non. Encore une. Essaye. Le temps, ça va. C'est bon. Allez, Jean-Paul. Allez, allez. Allez, Jean-Paul. Oh, je l'ai pas, hein. Mais la porte. J'ai pas couru, je sors. Encore du temps, un peu. Je sors, oula, je sors. Bah alors. Ah, j'en ai eu deux sur trois, hein. T'avais encore le temps là, c'est dommage. Mais qu'est-ce qui m'a dit de sortir? Et toi? Ah bon? Toi tout seul? T'as dit je sors? C'est pas grave, c'est pas grave. C'est-à-dire que le plafond descend très très vite et. Ouais. Voilà. C'est bon, c'est bon. C'est impressionnant. Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. La prochaine. Tant pis. Il faut vraiment, faites attention à ça, je sais que vous avez la hantise. Vous avez la hantise d'avoir des prisonniers, ce qui est bien, mais faites quand même attention à ne pas sortir trop vite, parce que parfois ça se joue à quelques secondes et vous risquez de rater la clé à cause de ça. D'accord? Ok? Allez, on y va. C'est bon. Est-ce que tu peux me rendre un petit service? Quand la candidate entrera, tu l'attaches à moi et je fais le rôle du poteau, d'accord? Non. Non, mais attendez, là, qu'est-ce qui se passe? Un peu de rigueur, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des candidats qui attendent, Valérie, je vous en prie. Franchement, je vous pouvez l'excuser, hein, c'est naturel. Bon, il me faut une femme. Vous savez déjà ce que c'est, vous? Non. Vous avez une idée? Allez. Oh, une petite. Si je vous dis que je veux le mettre sur la tête. Ne crains pas, Frédéric. Vous aimez la Grèce? Oh, oui. Je parle pas des îles, hein, je parle de la Grèce. Vous êtes servi. Allez, venez, donnez-moi la main. Donnez-moi la main, mamselle, donnez-moi la main. Voilà, vous êtes avec Sumo, là, touchez-le. Touchez-le, c'est Sumo. Mais non, c'est pas lui. Allez. Oh, Sumo. Allez. Alors, Sumo, va d'abord l'attacher. Non. Il est en train de l'attacher pour l'instant. Une main. Et l'autre. C'est pas un garçon très très rapide, Sumo. Oui, mais il est super. Ah, ça y est. Attention. Hop, c'est parti pour la clepsydre. Allez, Frédéric, tu soulèves. Oui, allez. Attrape le coin. Coince-le. Allez, Fred. Lève. Allez, Frédéric. Ouais, tu y es, là, il vient. Tes forces. Pousse, ouais, pousse avec les jambes. Ouais, tu y es, allez. Allez. Essaye de l'attraper avec les deux mains, là. Tiens-le avec les deux mains. Voilà, sous le côté. L'une de chaque côté, Frédéric. Et à mon avis... Pour le temps, ça va. Ah, voilà. Allez, Frédéric, prends le sang. Baisse-toi encore. Tu sortiras pas, baisse-toi. Oui, voilà, allez. Ouais. Le temps, ça va, Frédéric. Le temps, c'est bon, hein. Allez, tu coupes. Allez, coupe. Un des deux, ça suffit, hein. Oui, un des deux. C'est bon. Ouais. Un des deux. Voilà, le temps, ça va, Frédéric. C'est bon. Frédéric, mets-toi à genoux et coince le couteau entre tes pieds. La moitié du temps, Frédéric, la moitié. Continue. Elle n'a pas envie de t'écouter, visiblement. Hein. Non, ça va, là. Ouais, pas de couper. Allez, encore. Plus vite, Fred. Pour l'instant, elle a encore du temps. Allez. Continue. Mais je sais pas si c'est vraiment une... La bonne méthode. Mets-toi à genoux et coince le couteau entre tes pieds. Il reste un tiers du temps, là, à peu près. Un tiers, Fred, allez. Encore. Dedans, Frédéric. Continue comme tu étais. Allez, tant pis, essaye. Au maximum, allez. Le temps, ça va, Fred. Un quart, à peu près. Coince le couteau entre tes pieds. Ah, c'est dur! C'est pas grave! Attention! Prépare-toi, Fred!
Fred, hein. Aïe, aïe, aïe. Encore, encore. Encore une, non. Attention. Il y a des attachés. Et il faut ouvrir la porte en arrière, Fred, hein. Attention. Ça, allez, sors. Sors maintenant. Sors. Sors. En arrière. Arrête. Oh, c'est une idée. T'entendais pas ou t'as pas voulu écouter ta petite camarade? Tu m'as pas entendu? Non. Bon, qui? Vas-y, passe partout. On va te libérer. Parce qu'effectivement, la technique n'était pas forcément hyper efficace. Elle t'avait conseillé de te mettre à genoux et de coincer le couteau entre tes pieds. Ça aurait peut-être effectivement mieux marché. Allez, passe partout. Eh oui. Allez, allez, allez. Allez, on ah. C'est bon. Bon. Allez, c'est bien. C'est bien. C'est pas grave. On y va? Oui. Allez. Je voudrais vous signaler une chose, c'est que Sumo, qui a roulé à toute vitesse de la cellule dans laquelle il était jusque-là, se marre comme un fou parce que vous n'avez pas eu cette clé. On va manger. Et puis j'ai vu une chose magique pour la petite histoire pendant que vous attendez. C'était Félindra, la dompteuse, qui caressait un tigre. Faut le faire quand même. Hein. Si comme moi, je vous faisais... Non, pas vous, pardon. Ouais. Bien, messieurs, c'est à vous que je m'adresse. Y a-t-il parmi vous trois un Chagall ou un Léonard de Vinci qui se sentirait capable de décorer le plafond, je dis bien le plafond d'une cellule? Oui. Vous avez une idée? Vous avez une idée, Olivier? À peu près. À peu près, ils ont tous des idées. Mais cette émission, ce programme, ce jeu est trop connu. Mais c'est ce qui fait son charme. Allez, Olivier, c'est pour toi, hein. Voilà. Ouais, il y a la, la clé. Oui, la attends, clé. Je la vois pas pour l'instant. La corde, la première corde. Ouais, mais attends, je vois pas la clé, là. Au tout fond, au bout du parcours. Tout au fond du parcours. Après l'échelle, Olivier. Après, où ça? Ah oui, là-bas. Allez, c'est bon, grimpe sur la corde. Allez, allez, pétale tranquille. C'est allez, un... c'est pour toi. C'est un vrai singe, ce garçon. Ouais, ouais, ouais. C'est accompli, oui. Tu devrais y arriver. Pour l'instant. Allez, allez. Il est trop vite victoire, quand même, non, histoire de ne pas lui porter malheur. Hop. Allez, Olivier, c'est bon. C'est tranquille. Oh là là. Jusqu'au bout. Cool. Facile, le temps. Ouais, tourne les barres. C'est bien, c'est bien. Hop. Oui, voilà. Stabilise. On les a passés au-dessus, là. Impeccable. On va aller là. Oui. Hop. Moi, je l'ai. Super. Bravo. Ouais. Allez, top, c'est bien. Hop. Oui, bien joué. Alors là, ça, c'est bien. Tu m'as vraiment impressionné. Moi, je ne la voyais pas au début, la clé, et je me demandais où elle était. Oui, mais cela dit, tu as eu un très bon réflexe. C'est vrai que quand vous rentrez dans les cellules, c'est bien. De prendre le temps de regarder où se trouve la clé pour ne pas perdre du temps après. Très bien. Très très joli parcours. C'est votre deuxième clé. Oui. C'est bien, on continue. Allez, c'est pas la dernière. Clepsydre, oh ma Clepsydre. J'aimerais que tu fasses passer le temps de plus en plus vite. Ah non, c'est vrai, quand il t'a allez, allez, un peu de nerf. Là-bas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Bah, j'ai fait exprès. J'ai voulu vous piéger, j'ai voulu savoir s'il passe partout. Faisait bien son travail, n'est-ce pas, mon passe? Oui, oui, monseigneur. Comment t'as dit? Monseigneur. C'est bien. Un homme fort. Allez, c'est toi l'homme fort, oui, pareil. Pour un déménagement un peu particulier. Oula. Les gants. Tout est mis. Ta-ta-da. Je fais la déclaration musicale. Ta-da-da-da, ta-ta, ta-da-da-da, ta-da, ta. C'est parti. Ta-da-da-da. Allez, on y croit. Ok. Allez, Laurent. Allez. Tout le poids de son corps. Essaye de replay. Allez. Hop. Allez. Hop. Allez. Allez. C'est bien, il a sorti déjà un premier filet. Il y en a un deuxième. Souffle bien, Laurent. Vite. Allez. Voilà. Allez. Il prend ses trois quarts du temps. Les trois quarts. Allez. Allez. Voilà, tout le poids du corps. Utilise tes jambes. Souffle.
fois une deux et c'est bon. Allez, allez, faut que tu y ailles. Vite, tu y es. Là, il faut y aller. Attends, voilà, là maintenant, il faut y aller. Il faut y aller la chercher. Tu sors, tu sors. Oh là là. Bon, alors là, on est mal. Ouais, on est mal parce que c'est votre capitaine, c'est votre homme fort. Oui, ça fait rien, ça fait rien. Non, non. Il va faire. Qui décide de prendre le relais à sa place, ouais, nouveau capitaine. On prend le relais. Allez, Olivier. Bon, allez. Olivier. Allez. Ah, ça, c'est pas grave. On essaiera de le récupérer tout à l'heure. Allez. J'espère. L'aviateur en jamais peur. Allez. 51 minutes. C'est pas grave, c'est pas grave. Je t'aurai, toi, je t'aurai. Moi aussi. L'homme fort, terminé. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, l'homme fort, hop, dégagé. Bien, il faut un autre homme quand même relativement fort. Jean-Paul. 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 Allez, allez. Hein? Allez, Jean-Paul. Vous savez bâtir des châteaux de sable en Espagne, vous? Ça devrait aller. Ça devrait aller? Oui. Bon, allons-y. Merci. Allez, Jean-Paul. Faut que tu trouves le maximum de petits pois. Vas-y. Allez, Jean-Paul. Utilise bien les jambes. Pas trop le dos, tu vas te fatiguer. Le fils, le voilà, les jambes. Allez. Hop. Tous les pois dans le tamis. Plus vite. Attends, il faut pas... Il faut bien qu'il cherche partout, ouais, dans le cartable. Partout, cherche partout, Jean-Paul. Hein? Partout. Partout. Voilà, approche-toi de la porte. Ouais, mais attends, Jean-Paul. Attention, alors là, maintenant, il faut qu'il se calme, qu'il se mette bien en face. Souffle bien. Faut pas que tu fasses balancer la nacelle. Allez. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bon. Bon, c'est bon, Jean-Paul, bien. Accompagne le geste. Voilà, c'est bien. Ouais. Il y en a plus. Le temps, là, c'en est où? C'est rare, hein, le sable. Venez avec moi, vous. Restez là, vous. Mais vous l'emmenez? Je l'emmène où je veux. Mais enfin... Non. Ah, il faut nous la laisser. Roméo et Juliette, c'est vrai? Si je vous dis que vous êtes belle, cher ami, que vous êtes belle... Moi, je le crois. À quoi pensez-vous? Au père Foura. Oui, eh bien, effectivement, il va peut-être dire la même chose à votre ami intellectuel pour une autre clé. La machine du temps est implacable, mais je l'aurai. Voici votre deuxième énigme. Délicieuse, elle est croquée entre amis. Dangereuse, elle est lancée aux ennemis. Qui est-elle? Je répète, délicieuse, elle est croquée entre amis. Dangereuse, elle est lancée aux ennemis. Qui flèche est-elle? Une pointe? Non. Une pique? Non.
n'avez rien vu venir, là, Anne. C'était la grenade, et oui, le fruit et l'arme offensive. Eh bien, boum. Ah, la grenade. Alors, 3212, 3213. Bon, Olivier, tu vois là-bas le flotteur, ah oui, la petite lumière. C'est ce que tu dois récupérer. Tu peux sauter si tu veux. Olé. Mais c'est bon. 45 minutes, une quête plus, on va rejoindre les autres. 3214. Professeur. Non. Professeur, sortez. Non. Il y a un problème. Le professeur désagrégé n'est pas content, les enfants, parce que maintenant, vous faites pratiquement plus de calcul mental. Il n'y a plus de petites calculettes électroniques et... Oui. Bon, oh, enfin... Approchez. Puis-je me permettre de toucher votre tête? Car je ne vous cacherai pas que je cherche chez vous, ou chez vous, ou chez vous, une bosse. Une bosse un peu spéciale. Oh. Vous voyez laquelle? Oui. Laquelle? Oui. La bosse des... Des maths. Maths. Qui y va? Jean-Paul. Voilà, j'y vais. Jean-Paul. Allez-y, Jean-Paul. Allez, Jean-Paul. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Allez-y. C'est un matheux? Il a fait une section... scientifique. Bon. Bon. Donc ils prennent bien son temps, ils réfléchissent bien et doivent proposer ensuite une solution. Prends ton temps, hein. Vous pouvez l'aider si vous voulez. Ça. J'ai déjà proposé quelque chose, on va voir. Il y a trois solutions. Bon. Trois solutions. Allez, Jean-Paul. Ah, c'était trois solutions, hein. Alors... 1270, 1270 plus 635, ça fait 1800, 1905. 1905, cette clé-là. Bon. Ça marche. Allez, il faut qu'il aille la chercher, la clé. Allez, vas-y, Jean-Paul, va la chercher. C'est bon, t'as ton temps, là. Hola. Allez, c'est bien, ça. C'est bien. Effectivement, c'était pour toi. 1905. Ouais, j'ai vu que tu l'avais pas fait au hasard, t'as vraiment calculé. Ah bah oui, parce que la division par 21, j'ai pas pu, et la multiplier par 15, ça va. Bon, et ben c'est parfait. C'est la cinquième clé. Voilà, on multiplie par 10, on additionne avec la moitié, ça marche tout seul. Voilà, et alors donc, c'est la cinquième clé, il nous en reste... Deux. C'est bien. On y va. Ces gants, vous savez à quoi ils servent? Je suis persuadé que non, vous allez en apercevoir. Attendez, j'y vais. Hop! Oh, bah vous êtes mignon comme ça. Oh. Une de vous, mesdames ou mesdemoiselles, devait me déshabiller. Je vais avoir ce privilège. Faites ça bien. Genre musique striptease, hein, quand même. Vous n'êtes pas particulièrement doué. Tiens, je vais les enlever. Non, mais j'ai rien fait du tout. Allez, mettez-moi ça.
Vous aimez les ascenseurs? Vous aimez les crabes? Ah. Hein? Faudra bien. Panique pas. Faudra bien. Allez, allez, dynamique en tout cas. Je prends le temps. Pousse-toi, toi. Allez, Claire. Oui. Oh. Oui, c'est bon. Claire, vas-y. Voilà. Allez. Qu'elle va entendre parce qu'elle est vraiment à l'extérieur. Ouais. Allez, Claire. Au-dessus de la mer. Non, elle n'entend pas. Elle n'entend pas, elle est vraiment à l'extérieur, au-dessus de la mer. Allez, 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 allez. Claire, trois quarts du temps. Encore trois quarts. Voilà, allez. Ça y est, ça commence à monter. Voilà, tire encore. Ouais. Pourquoi tu dis que c'est pour elle? Voilà, c'est bien, on va remonter. Prenez vos tourteaux. La moitié du temps, Claire. La moitié. Elle t'entend pas. C'est... Il faut bien qu'elle cherche. Ça y est. Ah oui, elle l'a. Il n'y a plus que le retour. C'est bon, ça va. Attends. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Elle est super. Ah bah t'es mignonne, mais bon, tout ça. Bien fait. Regarde ça. Ah bah t'as ouais, bravo. Bah, tu peux retirer les gants. À la fin c'est dur. Hein. À la fin c'est dur. Vous nous entendez ou pas là? Très mal. C'est dur à la faire parce que la corde glisse, elle est mouillée. Bah oui, forcément, puisqu'elle était dans l'eau, c'est logique. Voilà. C'est votre sixième clé, il n'y en a plus qu'une à avoir. Ouais. Ça marche très bien. Un petit allez, ça vous fait plaisir. Allez. Les gladiateurs. Non, jamais. Voilà. On y va. Allez, allez. Autant je vous trouvais sympathique, autant que maintenant vous êtes au seuil de la 7e, vous me devenez profondément antipathique. Ah, tant mieux. Qui a dit tant mieux? Je sais pas. T'as mal allé pour toi, mon petit gars, hein? Pas de partout. Brûle-le. Bon. Quels sont les deux d'entre vous, femmes et hommes en même temps, qui ont rêvé un jour de tenir une station en service? Frédéric, vas-y. Vous en avec qui? Allez, Frédéric Olivier, ouais, voilà. Bonjour madame la pompiste. Bonjour monsieur le pompiste. Bonjour, bonjour. Allez donc faire le plein. Allez. Allez, on y va. Les deux cousins. C'est parti, vite. C'est parti. On y va. Alors Frédéric, tu t'avances. À gauche, il faut qu'elle vive. Voilà. Allez Olivier, on lâche pas la pression là. C'est bon. Oh là là, il y a une énergie. Vite, bien, Frédéric. Il faut vraiment effectivement qu'elle vise bien parce que son rôle est aussi important que celui d'Olivier. Tiens bien, Frédéric. Ce qui est important surtout, c'est de lui dire s'il faut sortir. En cours de route, ils sont pris dans leur truc, il ne faut pas les déconcentrer. J'ai l'impression qu'elle ne vise pas. Vise bien, vous avez pris la moitié du temps. On va s'en faire, hein. Ouais, mais alors, Frédéric, c'est pas une machine. Regarde bien quand on le sort. Reste un tiers à peu près, un tiers du temps.
Combien le temps? Continuez, mais continuez. Tu vois, il faut pas leur dire ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Continuez. Il faut pas leur dire ça, tu vois, regarde. Là, tu leur as fait perdre, vraiment. Mais oui, mais ça sert à rien, tu leur as fait perdre 5 secondes. Ils se sont arrêtés, ils ont dit qu'il fallait sortir. Ce qui est important, c'est de leur dire quand il faut sortir, si c'est limite. En tapant sur la porte, s'ils t'entendent pas, ou ce que tu veux. Mais en cours de route, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, il faut que tu continues. On n'entend pas, là. Continuez. Oh là là, 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 il a pas compris, faut lui dire. Là, fais attention. Sortez, voilà. De toute façon, vous l'auriez plus, je suis. Bah alors. C'est hyper dur. Je suis asphyxié. T'es quoi? Asphyxié. Tiens. Souffle tranquille. À la fin, respire. Allez, effectivement, t'as perdu le rythme complètement à la fin. Ouais, allez, allez. Côté. Je suis parti trop vite. Lisez, c'était pas ça, hein? Non, pas vraiment. Pas vraiment. On n'entend plus. On a remarqué. Bon, c'est pas dramatique quand même. C'est pas grave. Il n'en reste plus qu'une et vous avez 36 minutes. Alors, on y va. C'est bon. Allez, allez. Les soirs, à la même heure, j'observe sur l'île d'Aix, juste en face, un charmant spectacle. Effectivement, une très belle sirène enlève sa parure d'écaille. Mais enfin, il faut continuer le jeu. Hein. Allez, 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 allez. Ah, la septième clé n'est pas facile à avoir, hein? Et en plus, je vais vous dire une chose, parce que vous devenez des amis, je suis amoureux. Oh, de qui? D'une sirène. Quelle sirène? Je ne vous le dirai pas. Là, il faut un homme qui a des muscles, qui a des bras. Car celui qu'il va trouver en face ne lui fera aucun cadeau, car je répète que c'est éventuellement la septième clé. Allez, avance. J'y vais. Vous sentez les bras, vous? Oui, je sens les bras. Dit que le temps, vous me dites Clepsydre. Clepsydre. Allez, on rentre. Allez. Voilà, très bien. On roule là autour du bras, la corde. On roule là autour du bras. Voilà. Peut-être un deuxième tour pour un plus de force. Je descends dans le bassin. Voilà. Allez, qu'il utilise au maximum le poids de son corps. La même chose que tout à l'heure. Oula, il est parti. Reprends bien la corde. Allez. Allez, c'est bon là. Reprends bien. Allez, qu'il prenne bien la prise. Elle est passée. C'est fort quand même. Laisse pas avoir. Allez, Jean-Paul. Allez. Papa, va tout. Calme-toi bien. Et enroule la corde. Allez, si la marque rouge arrive à dépasser la poulie, la clé sera pour lui. Allez. Pas d'un coup, sinon tu vas aller devant comme ça. Reste le plus loin possible. Et pour l'instant, la marque rouge, elle est encore dans les mains de l'homme fort. Allez. Mais non, pas d'un coup, Jean-Paul, pas d'un coup, ça va pas aller, tu vas partir devant. Allez, vas-y, vas-y, fais-le pas, continue. Comme un tir, voilà, comme un tir, là, sans un coup. Allez, encore. T'as un peu de temps. Il a encore un petit peu de temps, il faut vraiment que ce soir, là, avec l'énergie du désespoir. Allez, un coup d'énergie. Sors. Oh, il est fort. Ah bah oui, c'est le moment. Bah alors, tu as senti tes muscles. Bah, ils sont là, mais... Mais c'était pas moi l'homme fort. C'est pas grave. Non, mais tu t'es effectivement quand même bien débrouillé. C'est vrai que c'était pas toi l'homme fort au départ. Il est très très fort. Ouais. Il est très très fort. C'est allez, on y va. Allez, on y va. 33 minutes pour la dernière clé. Ouais, c'est parti. Il est là. Vous jouez un peu avec le feu. Moi, je m'amuse avec ce briquet de l'époque pré-boyardienne. Chaud,
chaud, chaud pour vous, chaud. Très chaud. Hein? Chaud, chaud. On dit chaud. Chaud. Chaud pour vous, chaud. Homme ou femme? Moi, je suis fatiguée. Eh bien, je vais vous dire une chose, Mathilde Claire. Il se pourrait qu'en sortant de cette cellule, toutes vos illusions partent en fumée. Entrez, n'ayez pas peur. Pas peur tout de suite, car dans quelques secondes, vous allez avoir très peur. Allez, cousine. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, allez, allez. Ça se passe là. Ah, franchir le casse-tête. Regarde le temps. Ouais. Ça lui plaît, les casse-têtes? Oui, elle se débrouille pas mal. Se débrouille pas mal. C'est logique, quand même. Très concentrée sur ce qu'elle fait. Essaye de monter peut-être. Ah, il faut le sortir par là. Tu peux pas monter là? Oh mon Dieu, les pétards. Le cercle, il faut qu'elle arrive à le dégager de ce casse-tête puisque la clé est accrochée au cercle. Et les deux trucs en j'ai l'impression qu'elle s'est fait. J'ai l'impression qu'elle s'est fait une belle petite frayeur parce qu'elle a les mains. Mon Dieu. Attention, Claire. De toute façon, c'est pas grave, hein, ça risque rien. C'est toi qui le dis. C'est pas à l'intérieur, toi. J'ai très très peur. Je vais la rassurer. Bon, rassure-toi, Claire, c'est pas dangereux. Et surtout, je vois pas ce qu'il faut allez, faire. Allez, concentre-toi, Claire. Allez, allez, ça fait la moitié du temps, là. Je vois pas tout ce qu'il faut faire. Ça va me péter dessus. Allez, allez! Oh, j'ai essayez, plein de essayez de m'aider un peu! Essayez plein de solutions là! Quelle solution? La conseiller, essayez de, la guider un petit peu si vous pouvez. Ah, ça va encore me péter dessus! Regarde, concentre-toi, concentre-toi! Ah, je peux pas! Il reste un tiers du temps là! Je comprends pas ce qu'il faut essayez faire! Essaye de jouer avec les enfants certos là! Essaye de les bouger, les mettre face à face peut-être! Oh non, Claire. Eh ben. Oh, oh qu'est-ce que j'ai fait? Ça va? Ça va. Oh, ça va? Ça va, allez, c'est bon. Oh là, oh là, oh là, oh là. Et oh, allez, allez. Et pouf, allez. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez. Bon, allez, Claire. Allez, on se retrouve. Ça va? Allez, en fait, c'est Claire. Les gladiateurs n'ont jamais peur. Sauf là. Sauf là, oui, effectivement. C'était dur de se concentrer, hein. Ah oui, puis alors j'ai rien compris. Faudra m'expliquer. Bon, allez, remets-toi, on continue. Allez. C'est joli de temps en temps. Quel, lequel d'entre vous veut tenter un coup de main peut-être victorieux? Un coup de main? Un homme, vous, je tiens à vous dire, vous avez de la chance, car vous allez à la rencontre de Monsieur de Mr. Reflex, mais ce n'est pas le vrai, car il est en vacances. Ce n'est que son cousin. Ah, à la fin de l'envoi, c'est là. C'est que moi, je la refais, je dis... Ah, non, c'est là. Bon, allons-y. Allez, Jean-Paul. 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 Il n'y a pas la clé. C'est là. C'est un homme de réflexe. Allez, Jean-Paul. Il te connaît bien. C'est bien, c'est bien. Pas mal. Pas mal. C'est d'attraper la corde. Tu lui fais confiance. Ouais. Oh. Mets bien tes mains, là. Mets bien tes mains.
les mains sur les barres. Oh, c'est bon. Oh, très vite. C'était pas loin. C'était pas loin. Voilà. Sur la corde, là. Concentre. Allez, allez, j'en pose. Ouais. Allez, tu peux encore. Encore des temps. Ah, ça va vite. Essaye de trouver une tactique, là. Essaye. Un quart. Allez. Plus rapide. Allez, allez, encore. Il a encore le temps. T'as plus beaucoup de temps. T'as plus beaucoup de temps. Il a encore le temps d'essayer. Encore le temps, un petit peu, là. Attention. C'était son cousin. Oui, il va très vite. Mais... il est rapide. Il est aussi j'ai bon. Touché trois fois, mais ça va très vite quand même. Allez, ça va très très vite. Ça va très très vite. Il vous reste 26 minutes. On pousse la petite rivière. On a le temps. Allez. Pour obtenir sa septième clé. Très petite, petite annonce, écoutez bien. Roux, privé de mouvement, cherche homme pour relancer sa mécanique. C'est lui ? Oui. Olivier. Olivier. Allez, Olivier. Allez, Olivier, Olivier, pour le temps. Olivier, mon fils, allez-y. Allez. Allez. Allez, Olivier. Ah, la clé, je la vois, la clé là-haut. Il faut mettre des engrenages. Il a vu la clé, c'est déjà un bon début. Alors, la petite, il n'y a pas une petite, là, peut-être. Ouais, on l'a une. C'est bien, Olivier, c'est bien. Une grosse là, peut-être. Prends ton temps. Bon, il t'en reste deux à placer ici. Voilà. C'est trop petit, ça. Voilà, trop petit. Trop petit, ça va pas toucher les deux engrenages. Non, mais attends, ça va pas, ça. Oh non, c'est trop grand ça. La grande, peut-être là. Monte sur l'échelle. Monte sur l'échelle si tu es trop petit, tu as une échelle. À droite. Oh, c'est trop grand ça. Monte sur l'échelle s'il faut. Il reste la moitié du temps, Olivier. Il faut qu'il parte du roue qui est déjà placé. Oui, part du roue qui est déjà placé. Voilà, ça vient s'encastrer parfaitement. Oh. Allez. C'est pas ça. Tu as le temps. Réfléchis. Ah là, je suis pas bien, là, peut-être. Essaye. Allez. Il reste encore un petit peu de temps. Je l'avais pas vu, là. Ah. J'avais pas vu la petite. Voilà. Vu la petite. Avec la petite, c'est bon, ça marche, là. Allez, continue. C'est ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, ça doit s'encastrer parfaitement. Allez, monte sur l'échelle si tu n'y arrives pas. Non, il m'en reste une. Ah, il faut que ce soit parfaitement encastré, mais dans les roues, par exemple. Tu en as une qui n'est pas complètement enfoncée, celle du haut. Fais attention, là. Attention, attention, parce qu'il ne l'a pas bien mise, celle du haut. C'est du haut, vite. Oh, il l'a mise. C'est du haut à droite, elle n'est pas enfoncée. Attention, elle va lui tomber sur la figure. Non, c'est bon, ça tourne, ça tourne. Oh là 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 là, c'est risqué, ça. Voilà, il prend l'échelle, c'est bon. Il reste à peu près un quart du temps. Hop. C'est bon. Ouais. Super, on a la septième clé. Non. Ah là, c'est bon, ça. J'ai pas vu la petite, génial. T'avais pas vu la petite? Petite toutoune. C'est bien, Olivier, super. Tu nous as fait peur quand même, parce qu'il y en a une que t'as pas bien mis. Ah, oui, je voyais que ça tournait un petit peu. Oui, 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 mais moi j'ai eu peur que tu la prennes sur la tête quand même. Ça y est, allez, septième clé. Oui, je te la donne, je te la donne. Allez, la petite, elle était derrière. On va maintenant essayer d'aller libérer votre capitaine. Ah ouais, d'accord. Allez. On y va. Thank you.
Personne ne me prend. Mais c'est insensé, personne ne s'arrête, personne ne me prend. C'est pourtant un moment intéressant. Je vous ai dit stop. Vous avez pressé, vous êtes pressé. Vous avez fait pratiquement un sans faute, on peut le dire. Il vous reste, pour être complètement extraordinaire, à libérer votre capitaine. C'est bien le capitaine? Oui. Alors on y va tout de suite. On va libérer. Mais ce sera 40 dollars, please. Oh, j'ai dit, vous ouvrez la porte. C'est bien ce que je pensais, il ne comprend pas l'anglais. C'est bien ce que je pensais. On ouvre la porte. Voilà. Avez-vous envie, Laurent, de rejoindre votre équipe? Oui, pour être un peu plus utile, j'espère. Cela dépend d'un rat et d'une couleur. Et ces rats, il y en a deux. Ils sont dans la poche de Monsieur Ratman. Monsieur Ratman, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Ratman. Vous êtes bien coiffé, vous êtes beau, vous avez les cheveux courts. Rat blanc, rat noir? Rat noir. Rat noir, la couleur, elle est très importante, elle détermine tout. Le rouge, il faut donc que le rat noir entre dans le rouge si vous voulez être libéré, Monsieur Ratman, votre fils, s'il vous plaît. Il fonce, il fonce. Il a hésité. Il hésite toujours. Malheureusement, il est entré dans le noir. Non, il a dit le rouge. Je suis désolé, on a essayé de me tromper et je n'aime pas ça. Laurent n'est donc pas libéré, il ne vous accompagnera pas jusqu'à la fin du jeu. Vous allez vous débrouiller tout seul, sans lui, c'est dommage, mais c'est le règlement. Bien, alors, il doit se passer un certain nombre d'aventures, vous connaissez le principe, beaucoup d'indices, je vous les souhaite, et enfin un mot-code. Nous n'en sommes pas là pour l'épreuve physique, pour l'aventure physique la première. Vous devez, donc l'un d'entre vous doit se déterminer maintenant grâce au tirage au sort. On ne regarde pas, on tend la main sur ma main et on tire une paille. Voilà. Il semblerait que la plus petite paille soit déjà dans vos mains. Effectivement, c'est sûr. Vous partez, vous préparez à la... avec passe-temps, c'est ça? C'est ça. Bien, allez, passe-temps. Vite, 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 on s'en va, passe-temps. Partez, vous préparez. Vous restez à trois. Mais n'oubliez pas que s'il n'y a pas Laurent, il y a aussi votre intellectuel qui vous rejoindra juste après avoir découvert. Ça va sûrement se passer comme ça, n'est-ce pas Valérie? Je vous sens attentionné et tout. Hein? Je, oui, je vous sens, oui, je vous sentais bien. Je il va trouver. Je bois vos paroles. Hein? Elle va trouver. C'est Anne. Oui, c'est Anne. Anne, ma sœur Anne, vois-tu venir un indice? L'intelligence est le seul grain de sable qui puisse arrêter le temps qui passe, jeune fille. Voici vos trois définitions. Mon premier indice est synonyme d'esprit. Mon premier indice est une spécialité écossaise. Premier indice est célèbre à l'opéra. Oh. Ténor? Non. La cornemuse? Ah, eh bien, pas de bonne réponse, eh bien, pas d'indice. Eh oui. Mais ne perdons pas de temps, j'ai du travail. Descendez et rejoignez vos amis près de l'homme volant. Allez, hop, 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 allez. Bon, où en étais-je? Jean-Paul, grâce à cette drôle de machine dans laquelle vous êtes actuellement, vous méritez vraiment le titre de voleur de clés. Car vous allez voler au-dessus du fort jusqu'à la cartouche que vous voyez là-bas, où il y a ce petit filin vert qu'il vous faut absolument attraper si vous voulez avoir un indice. Avez-vous eu le premier indice? Eh bien non, malheureusement. Donc Anne n'a pas eu le premier indice, celui-là peut être le premier. Valérie, il a combien de temps? Il a 2 minutes. Il a 2 minutes. Bien, pendant 2 minutes, vous allez tout oublier, Jean-Paul. Allez, le maximum. Allez, Jean-Paul, top, c'est parti. Pour 2 minutes, allez. Allez, coordonne bien. Pour 2 minutes, Jean-Paul. Allez, va vite. Voilà, c'est bien, tu as un bon rythme. Continue comme ça, c'est bien. Alors là, tu descends, après ça va remonter un petit peu. Allez, Jean-Paul.
Ça va. Bon. Elle est rassurante. Faut pas voler, hein. Allez, voulez pas. Ah oui, c'est plus dur. Allez, vas-y. Allez, souffle. Ça fait plus de la moitié. Allez, encore. Allez, c'est bon. Allez. C'est lundi, sur vous. Allez. Il reste plus qu'un tiers, même pas un tiers. Allez, Jean-Paul. Force pas sur les bras. Voilà. Les jambes, Jean-Paul. Force pas sur les bras. Allez, vite, remonte-le. C'est dur, à la fin. Allez, arrache la cartouche. Arrache la cartouche. Voilà, c'est bien. Bah alors. Qu'est-ce qu'il fait? Métropolis. Boîte de nuit. Métropolis. Oui, à part ça. C'est un film. Hein. C'est un film Métropolis, un futur. Métro, train. Ouais, pour l'instant, c'est tout ce que ça vous inspire. Oui, pour l'instant. Bon, on va peut-être en chercher un deuxième. Oui. Allez, on y va. Tu nous rejoins, hein, Jean-Paul. Là, ils approchent. Un oiseau de bon augure leur a rapporté un indice. Métropolis, je rappelle. Il faudrait qu'ils en aient maintenant un second. Je disais aux téléspectateurs qu'un bon indice, un deuxième, serait le bienvenu. D'accord ? Quel est celui ou celle d'entre vous qui veut aller se balader dans les souterrains inondés du fort, qu'il se désigne ? Allez, Anne, qui n'a encore rien fait. Anne, enlevez votre micro, s'il vous plaît. Valérie va s'occuper de ça. On lui donne sa torche, ses lunettes, si elle le souhaite. Oui, Anne. Tournez-vous un petit peu, que les téléspectateurs voient votre charmant minois. Vous allez vous promener dans les souterrains du fort. Oui. Et dans une des salles, à un moment, immergée au fond de l'eau, il y a quatre coffres. Oui. Sur lesquels il y a des noms d'îles. C'est important, je vais vous dire pourquoi. Au fond d'un de ces coffres, il y a l'indice. On est bien d'accord? Mais à un moment dans votre promenade, vous allez tomber sur un nom d'île écrit avec du sable, si vous parvenez avant que l'eau ne l'efface. Donc là, vous serez sûr que c'est ce coffre-là, sinon il faut aller au hasard. Il ne faut surtout pas remonter les coffres, il faut plonger, tirer le truc, regarder, et c'est peut-être ça. Et tout ça en 3 minutes maximum. Ce qui est formidable. Alors les hommes, s'il vous plaît, on ouvre tout de suite. Alors je te conseille. Si vous y arrivez tous les deux, j'espère en tout cas, parce que ce n'est pas moi qui vais vous aider. D'accord. Hein, de façon bah, non, ils n'y arrivent pas. Si, ouais. Ils vont ça y arriver. De lire. Allez, bah, on va y aller. Attention aux pieds. Voilà. Anne, quand vous voulez. C'est parti. Allez, c'est parti. Tu n'y penses pas. Voilà, vous allez pouvoir suivre ce parcours. Quand elle sera la tête hors de l'eau, elle pourra vous entendre. Non, c'est elle. C'est elle qui a choisi. Passe notre salle. Un parcours sans faute. Quand elle a la tête sous l'eau, non, elle ne peut pas t'entendre. Si tu la vois la tête hors de l'eau, que tu parles assez fort. Ça y est, elle l'a trouvée. Bien. C'est impressionnant. Regarde l'angle. À mon avis, oui, elle.
passer. C'est bon, on va à la caisse. Ouais. Allez, vas-y. Quand tu l'as, tu te dis. Et ben voilà, effectivement, elle avait bien lu le nom du coffre. Allez, reviens, allez, remonte. Allez, Anne. Faut que je revienne par le même chemin ? Oui. Anne, attends, t'es en train de refaire le parcours en sens inverse, c'est pas utile. Reviens par ici. Elle est en train de refaire tout le parcours en sens inverse. Elle a perdu du temps. Ah bon, là, elle a perdu le temps. C'est dommage, parce qu'elle a fait un parcours très rapide. Bon, ça fait rien, de toute façon, ça prend. Allez. Ah bon, elle a un indice qui est quand même important. Anne, on est là. Allez, Anne. Non, mais Métropolis, c'est une ville. Vite. Claudel et Métropolis. Le film de Camille Claudel. C'est Isabelle Adjani. Ouais. C'est quoi, c'est un peintre? Rodin. Ouais. Rodin avec Métropolis, hein. Ville. Avec Métropolis. Ville. T'as été hyper rapide. Cherche. Non, mais non, mais t'as été très rapide dans mon parcours à l'aller. Claudel, ça peut être sculpteur, peintre. On a vraiment l'impression que t'étais dans la ville de Métropolis. Robot, sculpture. Il y a des arts dans la ville de Métropolis. Il y a quelque chose de particulier. Métropolis, c'est un film de science-fiction. Oui, mais dans la ville, il y a quelque chose, des arts, quelque chose. Bon, il vous reste. Il y a un robot. On se trouve à l'opéra. Oui, donc c'est quelque chose avec les arts. Et il n'y avait pas un truc. On le trouve à l'opéra. Il vous reste environ 9 minutes. Il serait peut-être intéressant d'aller chercher un troisième indice. D'accord. Allez. Je peux supposer que vous aurez le temps de faire deux aventures, celle qui va venir et une autre peut-être. Hein, on verra bien. Donc, de toute façon, on prévoit tout ici, on fait un tirage au sort. Et ce premier tirage au sort aura lieu entre les dames. Allons-y, mademoiselle. Vous trichez parce que vous regardez. Ah bah c'est encore elle. C'est encore moi. Et c'est encore vous. Donc vous partez, vous préparez à la quinte et messieurs. Bien. Et puis là, écoutez, c'est tard. Hein, on est d'accord. Et puis, eh bien, la prochaine aventure, c'est entre vous deux, messieurs. Ne regardez pas. Je fais pchut, le téléspectateur se rend compte de tout. Attention, on ne regarde pas. On se met là, truc, et on met ma petite main sur ma petite main. Voilà. Voilà. Et bien, c'est encore lui. Décidément, c'est l'homme de la situation. Vous restez avec moi. Et vous, les petits gars, vous l'aurez. On y va. Venez. Bien, vous, c'est l'homme de la situation. Jean-Paul, connaissez-vous Vulcain ? Le feu. Vous allez vous substituer à lui. Cette tenue veut dire, et ses cheveux un peu mouillés, veut dire que vous allez franchir cette porte. Du moment où vous aurez franchi cette porte, vous aurez 2,45 pour faire la chose suivante. Vous allez trouver un bouclier, des grilles. Vous allez vous mettre derrière le bouclier. Puis une sorte de petite louche, même grande louche. Oui. Et il y a une sorte de mini fourneau dans lequel il y a du plomb. Vous allez les chercher, hein, vous le verserez dans un moule. On est bien d'accord ? Quand le moule sera plein, tu auras pris une forme, vous pourrez prendre ce moule en plâtre dans vos mains, avec des gants, bien entendu, que va vous mettre Marc tout de suite. Marc,
et vous casserez ce plâtre, et normalement, si vous avez bien réussi dans le temps qui vous est imparti, une lettre, je dis bien une lettre appartenant au Mokone, l'une des lettres vous apparaîtra. Donc c'est très important, parce que si vous avez des doutes déjà, ça peut vous permettre de dire, ah oui, c'est ça, et bon Dieu, c'est bien sûr. D'accord. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Oui, mais bon sang, c'est bien sûr. C'était qui, ça? Les 5 dernières minutes. Voilà, et bien c'est pratiquement les 5 dernières minutes pour vous, cher ami. Allons-y, doucement, parce que l'autre va peut-être se tomber. Voilà. On y va. On y va? Allez, voilà. Attention, reste bien le visage derrière le blond. Regarde l'avant-poids. Voilà, c'est bien, t'es dedans, là. Là, t'es dedans, voilà. Mais là, c'est doucement. Doucement, là, t'en as. Doucement. Allez, reviens. Doucement, voilà. Allez. Allez, vas-y. Faut que tu rentres. Il y a un mec, voilà. Il y a un mec, là, dedans. Ouais, il y en a deux, c'est bon. C'est bon, fonce bien. Allez, vas-y, c'est parti. Reste bien derrière, allonge le bras. Voilà, vas-y, t'es dedans. Ouais. Encore. Voilà, voilà, c'est bon. C'est bon, bon. Ramène. Voilà, c'est bien. Allez, Jean-Paul. Encore. Bien, par-dessus. Fais bien attention, reste bien derrière. Ouais. Ouais. Coince bien le truc sur le manche, sur l'avant-bras. Voilà. Un peu plus par-dessus, voilà, t'es bien, voilà, là, c'est bon. Allez, vas-y, ramène. Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien, voilà. Allez, vas-y, t'es prêt. Vas-y, cool. Cool en dehors, là. C'est pas grave, c'est rempli. Rempli. Il est plein ou pas, là? Est-ce que ça déborde? Oui. Bah, c'est qu'il est plein. Alors, tu laisses la louche, tu prends le moule. Voilà, tu prends le moule, tu le casses. Allez, t'es sûr, le moule. Tu le couches, voilà, et tu le casses. Allez. Allez, plus fort. Allez, tu dois revenir au mètre. J'ai un P. Sors là. Ouais, c'est bien ça, Jean-Paul. P. Voilà, j'ai un P. T'as quoi, montre. Un P. Bizarre. Un P, t'es sûr? Ou un cul. À l'envers. Ça peut être un P. Attends, t'as pas mis assez de plomb, c'est pas possible. Ça ressemble à rien, ça. Qu'est-ce que t'as fait? Reste sur ta première idée. Bon. Ça fait rien. Bon, mais écoute, tu prends. De toute façon, on prend ta lettre avec toi. Et puis, on va te retrouver à la prochaine aventure. Allez, allez, on y va. Allez. C'est une affaire de famille, Yann, puisque Jean-Paul est votre frère et qu'il vient de faire Vulcain. Vous allez vous attaquer au pont de singe. Alors, soyons précis, vous n'allez pas chercher là-bas, voyez-vous, un indice, mais une clé. Et cette clé va vous permettre d'ouvrir cette petite boîte dans laquelle il y a l'indice. Vous avez 2-15, si dans 2-15, c'est pas fait, pouf, et ben ça éclate, d'accord? Attendez, pendant qu'on vous équipe, j'aimerais dire à Jean-Paul une chose importante pour ne pas que vous soyez induit en erreur. Vous avez peut-être un peu trop frappé avec le marteau sur la lettre. Simplement, ce que je peux vous dire d'une façon précise, ce n'est pas un P. Ce n'est pas un P. D'accord? C'est tout ce que je vous dirai. Merci. Voilà. Allez, Anne, c'est quand tu veux. C'est parti pour 2 minutes 15. On y va. Sois bien sûr le... Ah oh ouais, attends, tu assures. Et pendant ce temps, on peut chercher. Là. Vous n'avez pas des idées de mots, là? Oui, là, on a. Bon. Allez, Anne. Allez, Anne. Ah, ben je peux guère aller plus vite. Si j'y vais plus vite. Appuie-toi bien sur la corde. Tu peux essayer peut-être de faire des plus grands pas. Essaye de faire des pas plus grands. Voilà. Voilà. Doucement, glisse tes pieds. Voilà. Et là, tu fais des pas un peu plus grands. Voilà. Bien, Anne, c'est bien. Bon, allez, vous pouvez l'encourager. C'est bien, continue. Voilà, c'est bien. Parce que c'est pas évident. C'est très fatigant. Tu vas t'appuyer plutôt vers l'avant que vers l'arrière. Et après, il faudra que tu essayes d'attraper le filin. Oui, bah oui.
ça me sent vachement dur, vachement loin. Allez, vas-y. Allez, Anne. Allez, vas-y, continue, continue. Allez, vas-y, Anne, c'est bien. Appuie-toi bien tes pieds, voilà, c'est très bien. Voilà, positionne-toi bien en face de l'indice. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et maintenant, il va falloir que tu effectues, voilà, bien, un demi-tour, tourne tes pieds. Tourne tes pieds. Bien. Allez, essaye de te balancer un peu. Et avec un des bras, tu dois pouvoir l'attraper. Je suis trop petite. Essaye. Balance-toi. Balance-toi encore. Allez, balance. Oh, je vais perdre du temps, là, c'est pas bon. Remets-toi debout. Vas-y. Allez, pendant ce temps-là, faut pas chercher aussi. Essaye de lâcher un bras pour l'attraper, là. J'ai trop peur. Essaye, mais essaye. Allez, Anne. Bon, remonte un peu plus, remonte plus. Remonte où? Si tu vers la corde, là-bas. Voilà, il faut que tu te mettes debout. Debout et lâche un bras, debout et lâche un bras. Très peu de temps, voilà. Lâche un blocage, voilà. Allez, tu l'as. Allez, allez, bras tendu. Allez, Anne, bras tendu. Allez, bras tendu. C'est bien. Essaye d'être tendu sur un bras. Encore. Allez, Anne. Encore. Je peux allez, pas. Encore. Voilà. Encore. Là, tu l'as. Oui. Oui. Allez. Allez, tu reviens maintenant. Tu perds pas de temps. Je sais pas comment revenir. Vas-y, vas-y. Vas-y. Allez, reviens. Panique comme ça. Panique pas. Voilà. Essaye tu te mets debout. T'essayes de. Je vais pas assez vite comme ça. Debout, debout, redresse-toi. Oh là là là. C'est trop tard. Oh. 2 minutes 15, les 2 minutes 15 sont écoulées, l'indice est autodétruit. On c'est file tout de suite à la salle du trésor parce qu'on n'a pas le temps de faire autre chose. Anne, tu nous rejoins. Allez. Oh, c'est dur. Hein. Là, dépêchez-vous. Il vous reste moins d'une minute. Vous avez des idées? Vous voulez faire des sacrifices? Deux sacrifices. D'un coup? Bon, alors, ici et là. Allez, Anne, ici et là. Tiens, Anne. Hop, mets ta main, vite dedans. Et Anne nous rejoint. Tiens, ouvre-lui. Hôtel. Hôtel. Et toi? Et O. O. O, pluriel. 30 secondes, est-ce que vous voulez en faire encore un autre ou pas? Ouais, Métropolis, haut, oh, hôtel. Moi j'y vais. Vite, là, là, là. Allez, sur la cloche. Lâche-le, lâche-le. Attends. Vous pouvez déjà la sonner. Faites rentrer les tigres. Paris. 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 Où? Paris. Paris, P-A-R-I-S. Vite. Paris, hôtel, eau. Est-ce que vous voulez encore sacrifier? Non. Qu'est-ce que... Décidez-vous vite. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous... Sur... Sur ville. Ville d'eau. Allez, vite. Ville. C'est sûr? Ville. Ville, vous pouvez partir, c'est sûr. Allez, vite. Alors, V, I, L, L, E. Attention, avec les boulets, hein. D'accord? Allez, allez-y. C'est parti. Oh là là. Moi je mets le I. Maël. Maël. Suspense, reste entier. L. Moi je mets L. Sur Maël. Ouais, ça y est, je me suis mis à L. Et tu viens là après. Ah, bien. Hop. Alors V. I. V. I. L. L. Allez. C'est bien. Il y a un L de trop. Il y a un L de trop. V. I. L. L. E. Allons-y. Céline Dra, tête de petit. Au bout des indices suivants, Métropolis, grande ville futuriste vedette d'un film de Fritz Lang, Claudel, le poète et dramaturge français Paul Claudel est l'auteur d'une pièce de théâtre intitulée La Ville, Hôtel, l'hôtel de ville et l'édifice où siège l'autorité municipale dans une grande ville, Eau, une ville d'eau et une station thermale, et enfin l'indice qui leur a vraisemblablement permis de gagner, Paris, Paris et la ville lumière. Regarde, si tu retourneras. Oh, si elle a la chance, je ne tombe pas.
vite. Tu vas mettre tout ça là. Tranquille, okay, là. Tranquille, okay, tranquille, okay, tranquille. Okay. Oh non, allez, allez. Voilà. Oh là là. Dépêchez-vous, vous pouvez plus sortir après. Et voilà, on libère les prisonniers. Venez que nous finissions tranquillement le jeu après toutes les émotions qui ont été les vôtres. On est content pour vous parce que vous êtes passé près d'une énorme le déception. Enfin, tiens, le capitaine vous rejoint. Capitaine, bien, ils ont failli perdre. Finalement, ils ont réussi à deux à ramener un petit magot. On va savoir combien dans quelques temps. Alors, capitaine, quand on est capitaine d'une équipe, on l'a voulu, je suppose, c'est vous qui l'avez monté et qu'on passe la plupart du jeu dans la geôle. Qu'est-ce qu'on ressent? Ben, on est un peu frustré évidemment, mais c'est le jeu. Je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire. Est-ce que vous pensez, on va poser cette question, une petite question un petit peu délicate, est-ce que vous pensez qu'avec vous, ils auraient mieux réussi? Non, je pense qu'ils ont bien marché quand même. Ils ont bien marché quand même. Ça a été, vous aviez un peu peur sur le pont de Saint, Germain, il faut le dire. On a eu un petit blocage. Niveau taille, je pensais que j'étais vraiment trop petite, puis j'aurais dû me lâcher plus tôt. Je pensais pas pouvoir tenir sur un seul bras en fait. Bon, alors impression générale après cette. Soirée passée à Fort Boyard, Jean-Paul. C'est pas facile. C'est moins facile qu'on ne croit. C'est captivant quand même. C'est captivant. Et la dynamite, c'est terrible. Parce que Claire va garder un souvenir. Bon souvenir. Oui, excellent souvenir. Très bien. Je pense que nous aussi, on gardera un bon souvenir de vous. Le père Foura va d'ailleurs peut-être m'en parler tout à l'heure. Je vais le rejoindre. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonsoir. Peut-être savoir quand même combien vous avez gagné. Oui. Vous étiez que deux, mon frère. Enfin, vous faites ce que vous pouviez. Allez, passe-temps, passe-partout. Oui. 35 000, 10 francs. Ouais. À deux, je peux dire quand même que c'est pas mal du tout. Hein, dans vos petits bras musclés. Allez, succédez-vous peut-être le capitaine. Allez. Qui va finir. L'émission en portant ces boyards qui sont quand même lourds. Et on y va. Ça fume, hein? Ça fait... Encore la pollution. Non, mais non, non, non. Je vois très bien ce que c'est. Passez-moi le marteau, là. Oh, museau, hein. Passez-moi le... J'ai déjà vérifié ça. Oui, vous avez vérifié, mais vous n'avez pas trouvé. Attendez, voilà, ça y est, ça réparait. Voilà. Voilà, vous me rendez le marteau. Mais c'est, qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est la four Alex, Patrice. Ah, la four Alex, oui. Ça sert à quoi? C'est pour arrêter le temps. Voilà, oui. Et d'ailleurs, faites attention, parce que si vous ne prenez pas garde, vous risquez de prendre un coup de vieux. Voilà. Le monde perd la tête, tout le monde s'affole, ne prend plus le temps. Et le temps qui galope ne doit jamais affoler la pensée qui le chevauche. Et fumeux, non? C'était la pensée du vieux François. Tenez, prenez, juste.